de ce que nous avons dit. Quand on a un débat, alors les procédures stockées, regardez, on va parler, bon, coucher à la fait une procédure stockée, mais avec des parents, d'accord, en sorte, d'accord, ce que nous allons appeler des parents out, d'accord, des paramètres out. Hadou Salaam, Hal, je ne sais pas si vous vous rappelez de quoi. Si vous vous rappelez, quand nous avons vu les procédures et les fonctions, nous avons, quand nous avons vu les procédures et les fonctions, la partie C et la partie séchante, vous avez les paramètres, ce qu'on appelle les paramètres, d'accord, par référence. Oui, il y a des gens qui les appellent par adresse. D'accord, les paramètres par référence ou bien les paramètres par adresse. À part référence ou par adresse, c'est-à-dire que c'est un paramètre. Une fois qu'on va le modifier, on va le modifier dans notre procédure, il va nous envoyer le résultat, la partie appelante. Et nous avons les calaïettes, on va appeler la procédure va nous dire des modifications, elle est le paramètre en sortie. Et le paramètre en sortie, qu'est-ce qu'il va faire pour nous? Ah ouais, il va le nous. Quel un type de retour? Ah, balakémi, on va retourner ma cible icône, on va retourner avec un bar. Je m'explique. Je m'explique, et toujours pour m'expliquer, je prends des exemples très 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 simples. Alors, tu vas me faire les exercices, on va prendre un mélange. D'accord? On crée un procédure. Par exemple, je sais pas, maintenant on sait qu'on a le PS6. Ok? Et donc, le PS6, regardez, je vais écrire un paramètre que je vais, par exemple, appeler nombre. D'accord? Je vais appeler ça, par exemple, nombre article. Et il est de type entier. Bon, je donne des exemples entiers pour vous faciliter ma tâche. On va dire que nombre de type out, qui est de type output. D'accord? Ça veut dire que tu as un paramètre en, tu as un paramètre en sortie. Tu as un paramètre en sortie. Ah. Et puisque on dit une seule instruction, on dit que nous select, d'accord? Select un arrobasque. Un arrobasque nombre, d'accord? Pardon. Un arrobasque nombre. D'accord? D'accord? On dit que nous, tu reçois quoi? Là, tu reçois select, par exemple. Là, tu reçois select. D'accord, count, étoile, d'accord. Alors, ici d'insertion, avant d'en quitter, essayer, on va ignorer quelque chose qui manque. Alors, count, étoile, from, article. D'accord. Donc, regardez, je vais récupérer, je vais récupérer select count, étoile, from, article. D'accord? Je vais récupérer le résultat là, ça s'appelle bien article. Voilà. Je vais récupérer le résultat dans la procédure stockée. On va me dire dans un paramètre output et je vais vous montrer comment récupérer le paramètre output. Donc on va créer la procédure. On a créé la procédure. Maintenant, vous voulez tester. Vous voulez tester votre procédure. Vous voulez tester votre procédure? Bon. Vous avez besoin d'une variable, obligée, d'accord? Vous avez besoin d'une variable. D'ailleurs, on va l'appeler renombre, d'accord? Pour vous donner la différence entre nombre et, d'accord? Nombre et nombre, article que nous avons utilisé comme paramètre. D'accord? Alors, maintenant, nous allons exécuter la procédure. On va exécuter PS6, voilà. On dit que exec PS6. Voilà, exécuter PS6. Sauf que lorsque vous exécutez PS6, vous avez besoin de quelque chose. Vous avez besoin de récupérer la valeur dans votre valeur. D'accord? Donc, on dit aussi, on dit que le paramètre. Alors, on dit que copie, on dit que ok, non. Pardon, non. Pardon, prenez. On dit que le tu reçois l'autre, tu reçois elle. D'accord, copie. Mais, en output, non, le mot output, il est obligatoire. D'accord.
Vous êtes obligé d'ajouter le mot output pour dire que là, c'est un paramètre en output. Et print. D'accord, je vais printer un adore pour vous montrer. Sinon, soit vous écrivez cette écriture. Regarde, je vais vous donner deux écritures. Alors, pour copier un adore, par exemple, on va faire comme ça. Alors, on va faire coller un adore. Voilà. On va faire coller comme d'habitude. On va dire, je peux me serrer un adore parce que le premier paramètre, il est ligne. C'est un paramètre en output. D'accord, et c'est pas grave. Ok, donc, j'exécute, voilà, regardez, j'ai 6, j'exécute, voilà, d'accord, un 6, ok, donc, si j'exécute, d'accord, 6, si j'exécute, voilà, 6, 6, donc, il y a deux déclarations qui ne sont pas, on ne veut pas utiliser dans le même bloc deux déclarations. Donc, il a, ça c'est le paramètre en sortie, output, il a récupéré le mot à travail, et il a déposé un valeur sur un variable nombre. D'accord? Maintenant, puisque vous avez un seul paramètre, donc automatiquement, il va comprendre que vous voulez récupérer la valeur via head on output. Ça veut dire que c'est un paramètre en sortie. D'accord? C'est un paramètre en sortie. Maintenant, je vais faire un exemple dans lequel je vais utiliser un paramètre en entrée. Et un paramètre en sortie, d'accord, on a deux paramètres en sortie, par exemple, nous voulons un paramètre en sortie. Alors, on va faire comme ça, et on va créer une procédure, d'accord, on va appeler PS7. Un PS7, un PS7, je vais envoyer un paramètre en entrée, mais on voit la référence qu'il y a. D'accord? Il y a la référence qu'il y a, et je vais l'envoyer en entrée. Lequel vous l'envoyez? Ou à côté, je vais envoyer un paramètre, le nombre. D'accord? Le nombre comment? Adaptez-moi, il est int. Et je vais l'envoyer en entrée. Donc il va me retourner quelque chose. Ah! Et là, j'ai besoin d'un begin. Et un, parce que. Non, c'est pas grave. On va travailler avec une seule instruction. On va faire select, pardon. Select. Select quoi? Select header. D'accord? Select header. Alors, comme ça. Select header. Alors, on va lui dire, toi, tu reçois quoi? Toi, tu vas recevoir select. Toi, tu vas recevoir select. Là, il y a déjà le faux. Merci, vous voulez. Toi, tu vas recevoir select count. Et toi? D'accord? From. Commande. From commande. D'accord? Where? D'accord? Where? Référence. D'accord? Égal. Had référence. D'accord? Égal had référence. Voilà. Égal had référence. Ok? Count, pardon. Count. Alors, on va récupérer. On va récupérer toutes les commandes, le nombre de commandes, bien sûr, ici, puis nous allons passer au paramètre. D'accord? Donc là, vous avez un paramètre en entrée, il est en input, et vous avez un paramètre en sortie, il est en output. Donc, on va créer la procédure. On va créer la procédure. Voilà. Notre procédure, elle est créée. D'accord? Mais là, regardez-le. Là, on a besoin, quand vous allez appeler PS7, vous devez lui fournir deux éléments. Vous devez d'abord lui fournir l'élément en entrée, ça veut dire soit vous écrivez comme ça, soit on va lui dire 1. Had le 1, c'est la valeur de la détection de l'être client. D'accord? On est après la même je veux récupérer le nombre, je veux récupérer en output. Mais faites très attention là. Parce que là, en output, c'est le deuxième paramètre. Voilà, là, il est en input, c'est le premier paramètre. Donc, je n'ai pas utilisé les noms. J'ai le droit de ne pas utiliser les noms. Donc, si on fait comme ça, normalement, on va récupérer le nombre.
Sinon, comme je vous ai dit tout à l'heure, faire une même écriture, mais là, qu'est-ce que je vais spécifier? Alors là, je vais lui dire, je vais le mettre en décimal et il sera en out, et que moi aussi il sera en output. Donc maintenant vous avez besoin d'un degré et vous avez besoin d'un angle, d'accord, vous avez besoin d'un angle et là vous avez besoin d'un autre select, donc dans lequel je vais mettre arrobasque, je vais mettre arrobasque total, arrobasque, pardon, arrobasque total. Arrobasque total command, ou on a du fait select. Ça sera select. D'accord? Ça sera select sum. Ça sera select sum quoi? Ça sera select sum. Ça sera select sum. Quantité commandée. D'accord? Multiplié par prix unitaire. Donc, sauf que là, on a besoin de. On a besoin de user inner join. Hein? D'accord? Ok? Alors vous avez besoin de ça, from, d'accord. Alors là, faites très attention, on a besoin de from, on va commencer un article. On a besoin d'article, bon, c'est une occasion pour écrire une requête un petit peu, d'accord, un petit peu grande, d'accord, in your journal. InnerJoin avec, alors article radio de la InnerJoin avec ligne commande, avec ligne commande, et ça sera un article, d'accord, article point, point, référence produit égale à ligne commande point référence produit, d'accord, point numéro article, d'accord. Et on va revenir à la ligne et on va faire un tiny inner. Voilà, donc je suis à inner à côté, je dis comme à côté de l'écriture. Un tiny inner, vous êtes obligé de faire inner join donc de ligne commande avec commande. D'accord? On ligne commande
quoi? Alors, nous commande quoi? Nous commande quoi? Il commande quoi? Numéro de commande égal commande commande quoi? Ligne commande, ligne commande, ligne commande. Ok, c'est bon, au fond de la commande, nous avons la référence. Et là, vous avez besoin d'un where. D'accord? Where commande, voilà, where commande, point, ref. D'accord? Égal, égal, le paramètre, la ligne de mesure, il est où arrobasque, arrobasque. F. D'accord, F qui. Donc ça, ça va vous retourner le total, d'accord, somme totale de tout, vous avez dit, je suis l'écriture du mien. Voilà. Et là, regardez, voilà, la fermeture de la parenthèse, d'accord. Donc, on va exécuter, on va créer la, la procédure. Voilà, procédure PS8, elle a été créée. Maintenant, vous voulez exécuter PSuite, vous avez besoin de deux variables. Vous avez besoin d'une variable int dans laquelle on va récupérer le nombre. Et vous avez besoin d'une variable, par le masque, qu'on va nommer total. D'accord? Elle est de type décimes. D'accord? Elle est de type décimes. Ok? Et là, alors, on va récupérer, on va créer un plan dans le chemin de l'Ebuscous. D'accord, créons le flow d'un bâchement de discours, donc Ali, voyons le nom. La première valeur va d'insertor en input, en entrée, va d'insertor la référence. Et la deuxième, on va récupérer le nombre. Au la troisième, va donner le arrobasque, va donner le arrobasque total, arrobasque total, pardon, arrobasque total, total commande. Vous voyez Altani, il reçoit le genou, il reçoit arrobasque total. On reçoit arrobasque total, ou un message out, output. N'oubliez pas le out, le output. Voilà, n'oubliez pas le output. Et là, on va printer les lignes. On va printer là et on va printer le arrobasque total. Et on va printer le arrobasque total. Ok, donc, voilà, on va exécuter tout ça. D'accord, trop d'arguments spécifiés pour la procédure 7, mais ça, c'est la procédure 8. Il a raison. C'est la procédure 8. C'est pas la procédure 7. Voilà. Vous avez deux commandes, le nombre, et vous avez le total de, d'achat. Le total d'achat de notre client. Alors, vous l'avez, hein, c'est 2160. D'accord? Donc, comme ça, vous avez utilisé une procédure stockée dans laquelle vous avez un paramètre en entrée, vous avez deux paramètres en sortie. Et vous pouvez remarquer que, puisque vous avez ça, vous pouvez pratiquement ne pas utiliser la notion de return. Parce qu'avec des paramètres output, vous pouvez retourner des valeurs qui sont de plusieurs types différents. D'accord? Mais c'est plus libre. Avec return, vous ne pouvez retourner que des entiers. Alors ça, ça va vous poser un petit, ça va vous poser un petit problème. Donc, return. Et c'est rare qu'on utilise le return de les procédures stockées, des procédures stockées. Alors on utilise les paramètres en entrée et on utilise les paramètres en sortie. D'accord? Bon, ça n'empêche pas que les procédures stockées, ils ont des certaines limites. D'accord? Et on va parler des limites des procédures stockées, Charles, la prochaine fois quand on va essayer d'entamer la partie de les fonctions. Et on va dire sur les procédures stockées quelles sont les problèmes que nous avons, et vous allez essayer de détecter les problèmes. Une fois, nous allons faire des exercices, donc on continue de vous donner des exercices au niveau des procédures stockées, et vous allez voir comment les manipuler. Sauf que, la dernière remarque sur laquelle je tire votre attention, quand on a commencé, rien on a commencé à écrire des procédures plus ou moins plus ou moins consistante à Bagdad, etc. Mais pour vous rappeler toujours, la partie la plus importante de la position de